J'ai go Doran Blade contre Jax. On s'en fout, on va quand même gagner. Faut juste pas que je... Faut que le jungle tracking soit correct. En vrai, ça vaut le coup de mettre une ward ici. Ils ont l'info que j'ai ward, mais c'est au moins juste pour me protéger, moi. Et le Blade Warwick, non, parce que Warwick est déjà très fort en early, ça a pas d'air. Ok. Alors, le match-up. FF. Match-up, c'est juste FF, en fait. En pur spacing, le Jax. Il m'a laissé de lui mettre deux autos, je me suis dit bah, il est en train de troll, du coup j'ai voulu mettre un Q. Et à ce moment-là il est arrivé de troll. Pas bad. Il me faut la niveau 2. Quel que je jouais celui-là. Parfait. En vrai, faut juste répondre à ce qu'il fait. Il a quand même. C'est tellement dur. Il faut vraiment que je jungle track. Hein. Très très vigilant sur la jungle. Oui, ça c'est un Q qui est important. Ça c'est un Q qui inverse le match-up. Ça y est. Beaucoup de mind game dans ce match-up. Il troll. Hein. Ok, maintenant j'ai le contrôle. Parfait. Parfait. Maintenant j'ai le contrôle de la lane. C'est Xin que je dois faire gaffe maintenant. Ah, mais Xin est bot. 3 coins to gank bot. Ezreal avec une Soraka qui arrive à mourir. Ezreal Cleanse. Putain, mais comment c'est possible? Ah, ça. En vrai, c'est cheatery call. Hein. On se le dise. Parfait. Ce trade là est très important parce qu'il me permet de le mettre low life et du coup je vais avoir la move speed pour revenir sur la lane. Je vais vendre ma. Non, je vais attendre. J'aime pas ce que tu fais, Lee Sin. Il va falloir que je tue le Jax plus vite que ma team run down. Toujours pareil. C'est pas de leur faute à ma bot lane. Hein. La sérénité du Lee Sin. Ça me choque. Ça, c'est juste le Conqueror, stacked. Ça, c'est juste du Knowledge. De rune. C'est hyper impressionnant. C'est un Strongman. En fait, Déluge de l'âme, c'est un Strongman. C'est très impressionnant, mais ça n'a pas de cardio. Alors que Lee Sin, c'est ce qui est nerveux. Parfait, ça, c'est un bon kill en plus. Ok. Il faut que je jungle track. Ma vie est trop bien. Si juste. J'ai le temps en plus. Mais même si ça crache, en vrai, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, voilà, parfait. Ma vie est trop belle si juste je sais où est le. Genre, je m'en fous du freeze en vrai, j'en ai rien à foutre. Ça freeze en plus. Oh non, mais. Mais du coup, je sais qu'il est. Je sais qu'il est top. En vrai, j'ai pas besoin de le freeze. Hein. Là, c'est de l'ego un peu. Enfin, un peu d'ego play. Là, j'aime pas trop ce que je fais. En fait, c'est parce que je vois tout le monde qui meurt là. En fait, c'est ça qui me force à jouer comme ça, un peu risky. Avec plus haut elo, j'aurais pas besoin de jouer comme ça. J'aurais vraiment pas besoin de jouer comme ça. La transi parfaite. Je suis en mode ultra instant aujourd'hui, what the fuck? Non, c'est broken de prendre des pauses sur LoL. Oh, j'aime mon level là, j'aime ce que je vois, putain. C'est mon plus gros counter, en fait, point d'exclamation counter, vous voyez que c'est Jax et Olaf mes deux counters. Et ce mec-là est à 400-500 LP. T'as l'impression que c'est un Iron. Ok. Non, je déteste.
Je déteste cet item. Je déteste le marteau de Caulfield. Il sert à rien, l'item. Il coûte 1100 gold pour 20, pour 20 d'AD. Genre, c'est de la merde. Ne faites jamais cet item. Moi, je le boycotte. Autant acheter une épée longue qui coûte 350 mais qui me donne 10 d'AD que cet item de mort qui me donne un peu de CDR. Ah là c'est plutôt canne à pêche au top. Hein. Pour le coup. Xinda au top. Hein. Xinda au 100% top. Hein. Ah non. J'ai pas compris. Ok, il est full tilted. Bah là, là il m'a. Là par contre il m'a vraiment manqué de respect. Là je le prends mal. J'avais du respect pour ce joueur de Jax, il était très bon. Mais là il vient de perdre son sang-froid. Que faire? Que faire, que faire, que faire? Imo? Ouais, il faut que je push. Imo, il faut que je push. Il faut que j'arrête de freeze. Il faut que j'ai mon spike. Bot, ils vont run down. Il faut que j'accélère la game. Je peux pas juste freeze et attendre tranquille que la game se déroule parce que... Parce que Jinx va être problématique en plus. Ah bah, Jax a open en plus. Jax a open la lane, il est bot. Ouais, il faut que j'accélère. J'ai bien fait de casser le freeze direct. Ah, mais il est en full inching. Ah non, il veut dive. Il veut dive une Soraka. Non, je sais pas quoi faire. Parce que là, en vrai, le mieux, c'est de reach mon spike. C'est un peu dommage. Hein. Ok, elle a un shutdown. Elle a pas de shutdown cosmique, là. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais toi aussi, mais... Ouais, vas-y, je vais... Je sais pas trop ce que je fais là. En vrai, on va flip, hein, tant pis. Hein. En vrai, elle a tellement pris de kill qu'elle a forcément plus son flash. Ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte que vous fassiez arracher alors qu'elle a encore ses sums de up. Je comprends pas. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne comprends pas comment vous faites souiller bot. C'est ridicule. Hein. Bon, j'ai potentiellement sauvé la game. Elle avait tout, je te jure, ça me dégoûte. Tiamat. Tiamat et la high tempo. Let me top now, please. Tu vas me le filer, le Jax, là. Je suis un peu partout, là. C'est un peu compliqué. Elle est bizarre, la game. Elle est bizarre, la game. Genre là, je suis en train de compenser 3 mates. Heureusement que j'ai Lee Sin avec moi. Mais je pense que dès lors où j'ai un humain, les games sont win. Il vient de partir. Belle décale. Bah, si je fais pas cette décale, je pense que la game est lose. Et en plus, là, ça fait que la Jinx ne pourra pas snowball parce qu'elle a perdu son flash. Donc, elle pourra plus jouer aussi free que Leona. Hein. Si je speak de Leona, hein. Putain. En plus, ils ont une Leona, c'est vrai. Hein. Comment je peux faire pour carry cette game? En vrai, là, il faut que je joue un peu aggro, mais... C'est risky as fuck. Non, il faut quand même que je respecte le Xin. Parce que là, j'ai un shutdown, j'ai la game entre les mains. Pas beaucoup d'humanité dans le lobby. Ça me spam ping, genre, tranquille, le gars. I don't know quoi, mais... Oh, slash defense. En vrai, ils m'ont saoulé, slash defense. Mais Flame, alors t'es le seul bien. Putain. Ils savent pas se faire carry. Ouh là là.
Mais sinon, tu ne sers strictement à rien. Hein. Quelle horreur. Mais il est en train juste de mourir là. Mais vas-y, mais putain, mais. J'ai bien joué. Bah franchement, genre, ça devient très très dur la game. Hein. Et bot, ça fait doubler du coup? Je sais pas. C'est une dinguerie, mes games. C'est une dinguerie. Putain, je joue parfaitement les trades en plus. Ah, ulti Jinx peut-être, attention. J'aime pas trop ce que je fais, mais j'ai pas le choix. Faut flip dans ces games-là. Juste flip. Donnez pas de reset à la Jinx. Bien joué. Ok, nickel. Il me faut de la Leta là. Il me faut de la Movie aussi. Il faut tellement de choses. Mais on peut y arriver, on peut y arriver. Ken. Ok, nickel. 40 secondes. J'aime pas, j'aime pas. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Est-ce que je dois death mid? Elle a une TP la Kali, c'est bon. Je me mets à faire des voids, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Parfait. Le truc c'est que ça me griffe ma tempo en fait, mais je me dis qu'en split ça me fera peut-être la diff d'avoir ces voids. Ça me prend un peu mon deuxième mate quoi. Ça m'inventera une team un peu. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien, on verra. Ok, nickel. Beaucoup de gold là quand même. Ok. Il faut que. Faut que j'aille bot sur Saming. J'ai peut-être la vision, hein. Peut-être que c'est de la merde. Hein. Attends, je sais plus quoi faire là. Il faut de l'armor. Il y a un monde où faut que j'aille bot et que je. Bien joué. No flash Jinx. Elle a pas de flash live. En vrai, juste, je fais comme ça, et ça me suffit pour la tuer. J'ai pas besoin de toucher mon ult. Juste, je gap close, et on prend la tour là-dessus. Nickel. Le fait qu'ils aient full commit en gâchant leurs deux sums, c'est assassin. Top RH, je quitte pas la game parce que je prends le farm. Let me bot. Ah, mais je suis mute. Du coup, le Jax va se mettre super bien. C'est un prix à payer, malheureusement. Ok. Là j'ai rien à faire en fait. Genre juste j'aimerais bien grid cette wave. Une wave canon quand même. Et là c'est. Ouais putain. Oh là là. Le truc c'est qu'on peut pas faire. Le place parfait n'existe pas. J'ai envie de forcer. Hein. Bien joué. J'ai envie de faire des bêtises là. Mais j'ai un shutdown de 1000. Donc je ne vais pas faire de bêtises. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je suis dans ta team ici. C'est de l'art. C'est une œuvre d'art cette game.
le GA? Combien coûte le GA? 2900. Putain, j'ai envie de... Oui, je l'ai fait commit. Je vais faire commit la Leona. Donc aucun dégât en fait. C'est bon. J'aurais bien aimé avoir les pseudo gold pour le GA. Du coup, je les ai pas parce que j'ai 3 fanboys. Oh putain. C'est des poids morts. Pas grave. Au moins, ça l'aimait bien. Ok. On a pris toutes les T2. Là, j'ai pas de flash. J'ai pas de flash et je n'ai pas mangé. Donc, c'est un timing où je dois jouer très, 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 très slow. Ok, 500 gold, 450 gold, comment je fais là pour se louper ça? Je vais prendre des trucs safe, parce que là, oui, elle est quand même assez éloignée. S'il y a un void, déjà, ça me fait 100, enfin, un skittle, ça me fait 100 gold gratos. Ok. Je fais les camps? Vas-y, je vais faire les camps maintenant. Tranquille, on attend son flash. Tranquille. On a la game entre les mains. Ok. Encore combien? Encore 200 gold. Il y a une wave canon là qui arrive après celle-là. Une wave canon, ok. Donc sur cette wave canon, j'aurai les gold. Faut pas fight, faut pas fight. Non, ça flippe. Bon, ça flippe, faut que je push du coup, tant pis. C'est trop dur League of Legends, les gars, c'est vraiment trop dur. C'est incroyable. Genre ils ont pas besoin de faire ça. Ok. Bien joué. Bon, ça passe. Parfait. Ok. Bah du coup ils ont ma team a comeback, donc c'est cool. Bah j'ai même pas eu besoin de mon ange gardien.